Après plusieurs mois d'attente, la 11e saison de Danse avec les Stars va enfin être diffusée. Et pour cause. Avec la crise sanitaire de la Covid-19, l'émission n'avait pas pu être enregistrée l'année passée comme l'avait confié l'animateur Camille Combal en octobre 2020 à TV Mag. Les versions anglaises et américaines tournent actuellement donc en toute logique. Ça veut dire que c'est possible. Je sais qu'il y a une volonté de TF1 et de tout le monde pour que l'on puisse faire dalle cette saison. Mais on ne le fera que si on peut établir un protocole sanitaire qui met en sécurité le casting et nos équipes. Cette nouvelle saison sera donc diffusée à partir du 17 septembre 2021 et pour faire patienter les téléspectateurs, TF1 dévoile petit à petit son casting. Parmi les candidats qui fouleront le célèbre parquet de Danse avec les Stars, on retrouvera la chanteuse Weshden. L'âme, Tic, Aurélie Pons, actrice emblématique d'Ici Tout Commence, Jean-Baptiste Monnier, Lucie Lucas ou encore Bilal Hassani. Le chanteur qui a représenté la France à l'Eurovision tentera de remporter le titre. Et pour la première fois dans l'histoire de Danse avec les Stars, un candidat foulera le parquet avec un danseur du même sexe. Et comme l'a confié Frédéric Pedraza, le directeur adjoint de TF1 Production durant une conférence de presse. C'est Bilal Hassani lui-même qui a fait cette demande, on ne s'est absolument pas opposé au choix de Bilal. C'était complètement normal pour nous de le laisser décider et de répondre à ses attentes. A-t-il déclaré. Déborah Nahon, directrice des divertissements de la chaîne, a ensuite ajouté, Bilal voulait représenter la figure féminine dans son duo. Alors c'était évident pour lui d'avoir un homme pour compléter son binôme. Il m'expliquait par exemple qu'il s'imaginait plus se faire porter que de porter son partenaire. Le duo entrera en compétition le vendredi 17 septembre.